Salut à toutes et à tous et bienvenue en direct de cette émission Asla et nous. Nous revenons chez vous avec un autre thème que vous allez découvrir juste après. Nous ne pouvons aborder ce nouveau numéro sans pourtant vous remercier pour l'attention que vous accordez à cette émission. Avant tout, nous allons donc recevoir notre invité que je trouve un peu plus détendu ce soir. Bonsoir. Oui, détendu parce que vous savez, la pleine présence de Dieu est une confiance. La pleine présence de Dieu, c'est une assurance, c'est une garantie hein, par rapport à la marche actuelle du monde. Que Dieu vous bénisse, Madame la journaliste, et les mêmes bénédictions nous formulons à l'endroit de notre Seigneur et notre Dieu pour tous les auditeurs, tous les téléspectateurs, ceux qui nous suivent, ceux qui soutiennent cette émission. Merci Papa Chat. Pour commencer, juste pour notre information, la RTOPH a été victime d'un vol il y a quelques semaines et les enquêtes étaient en train d'être menées. Quels en sont les résultats à ce jour ? Voilà, vous me posez de bonnes questions. Déjà, ce phénomène qui s'est déroulé donc dans le sein de notre centre multimédia a suscité aussi de la part de beaucoup de personnes une certaine indignation. On le comprend aisément. Et je pense que à l'étape actuelle, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons, puisque la partie plaignante, c'est nous, la partie qui est concernée, c'est nous, la partie qui a le devoir de retrouver la vérité, c'est nous. La partie qui a le devoir de retrouver les équipements, c'est nous. Donc, nous avons travaillé entre-temps et c'était juste pour rendre notre plainte un peu, comment, détaillée et avec tous les supports. Donc, nous avons remis à qui de droit. Donc, vous allez vous rendre compte, pour vous qui êtes ici au niveau de la RTOPH, que à partir de lundi, et il y aura quelques interpellations parce que ce sont les services habilités qui prennent désormais la finalité de ce problème. Donc nous avons mis à la disposition des services habilités tous les éléments qu'il faut. Et vous verrez, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit tantôt, que dès lundi, il y aura des petites interpellations. Les gens seront appelés à les répondre quelque part. Mais ce que je peux vous dire en parabole, je me souviens il y a une certaine année, nous étions stagiaires dans un centre social en France et donc ce centre recevait beaucoup d'enfants, des enfants un peu abandonnés, des enfants un peu laissés pour compte, des enfants qui étaient un peu en souffrance par rapport à l'évolution de la société. Donc nous étions stagiaires, puisque j'ai fait un peu de psychologie, donc nous étions stagiaires dans ce centre. Alors il était arrivé un moment où les élèves, les pensionnaires, s'il faut les appeler ainsi, je crois que c'est même l'appellation exacte, comme c'était des enfants déjà sur un plan social qui était dans un déséquilibre très avancé, c'est des enfants qui passaient leur temps à se jouer les petits jeux les uns contre les autres. Donc on vous disait qu'il y avait le carnet de X qui était perdu, on vous disait qu'il y avait la salle de tel pensionnaire qui avait été inondé. Donc il y avait un certain nombre d'événements et ça nous avait poussé à bâtir des stratégies chaque fois pour connaître qui était le véritable instigateur de tel ou tel événement, de telle ou telle situation. Et donc, dans ces stratégies, très souvent, la personne coupable, on l'a déculpabilisée de par notre façon de faire, pour lui laisser le temps de croire qu'il n'y avait aucun soupçon à son encontre. Et très souvent, la stratégie réussit dans la mesure où c'est le coupable ou ce sont les coupables eux-mêmes quand ils vous voient prendre une direction. Et sachant bien que c'est pas la bonne direction parce que eux ils savent ce qu'ils ont fait, souvent ils perdent la sagesse et ils se mettent eux-mêmes à poser des actes qui renforcent leur culpabilité. Donc c'est juste, je vous ai parlé en parabole parce que l'émission n'est pas une tribune pour parler de ça. Oui, et je crois que certains comprendront la parabole que je viens de donner, mais la promesse que j'avais eu à faire aux uns aux autres, en tout cas nous avons mis tout ce don, tout ce que nous avons à notre disposition à dans les mains des personnes habilitées, et je crois que
l'affaire va aller très vite puisque nous sommes pratiquement à la connaissance de ce qui s'est passé. Ok, merci pour cet éclaircissement. Ces derniers temps, la presse du côté de l'Afrique de l'Ouest, notamment du Bénin, n'arrête plus de parler de l'association Zolo Amour OPH et de son président fondateur. Qu'en est-il exactement? Très heureux que vous me posez cette question parce que on peut dire que le Bénin est en ébullition par rapport aux vérités divines de l'heure, par rapport à l'association Zolo Amour OPH, par rapport à Guy Émile Oufassé-Tchouambo. Parce que pour une première fois, vous savez, nous avons fait des descentes, nous avons fait des voyages, nous avons fait des pèlerinages à l'étranger. Nous avons même, depuis le Congo, eu à présenter, à faire le plaidoyer de notre association à des gens qui ne sont pas de notre association, qui ne sont même pas du Congo. Mais il manquait un peu ce lien indéfectible qui est né d'une certaine communauté issue même des... du fond de ce qui constitue une nation. Et au Bénin, on a eu des frères et sœurs béninois qui ont parlé à d'autres Béninois. C'est-à-dire qui leur ont dit, qu'est-ce qui a fait qu'ils arrivent à Luzolo? Qu'est-ce qui a fait qu'ils croient en Guy Émile Oufassé-Tchouambo? Qu'est-ce qui a fait qu'ils soient là à défendre les vérités divines de l'heure? Et donc, cela a suscité vraiment un intéressement, je dirais, une attention très poussée, très particulière de la part, surtout des médias. Et entre-temps, ces médias donc sont venus auprès de maman, la sœur Adjoa Sossou Rosalie, qui est la présidente adjointe de l'Afrique de l'Ouest et la présidente adjointe des sections du Bénin. Et cette dernière leur a finalement dit, puisqu'on peut la considérer comme étant, sur un plan physique, la première personne membre de ce pays à avoir intégré notre association. Donc, elle a mis à la disposition du peuple béninois, à travers les médias, tous les témoignages forts, tout au moins un résumé des témoignages qui l'ont conduite à intégrer l'association. Et je vous dis, ce sont des témoignages poignants et la presse béninoise actuellement est en train de faire un large écho. C'est ce qui m'a fait dire dans un commentaire que le moment est venu. Parce que quand Guy Émile nous dit qu'il sera là lui-même, puisque c'est lui le maître d'œuvre, ce maître d'ouvrage, c'est lui tout. Donc, quand la cloche sonne, quel que soit ce que les hommes pourront faire, lui, il sera là pour nous dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut évoluer, et voilà, et voilà, et voilà. Donc, c'est ce qui se passe actuellement au Bénin, c'est en notre faveur, c'est un grand privilège, et cela nous donne la force d'aller de l'avant, parce que je l'ai dit aussi que nous, Congolais, n'avons pas le monopole de la divinité de Guy Émile Oufassé-Tchouambo. Vous avez vu, pendant que nos frères et sœurs béninois font ce qu'ils font, organisent une fête de cette ampleur sans pour autant recourir à un seul franc du Congo. Et nous, pendant que nous sommes restés au Congo, voilà, nous avons plutôt contribué à salir l'image de notre association, nous avons plutôt contribué à salir l'image de notre président fondateur. Alors, de tels actes ne peuvent que nous reconforter dans ce que nous sommes en train de faire. Merci, Papa Charles. Ce soir, nous avons pour thème la responsabilité du chrétien dans le déclin des valeurs de la société. Alors, revenons à vous. Quel est, selon vous, l'objectif visé par ce thème? Comme nous l'avons dit dans la bande-annonce, Madame la journaliste, écoutez, aujourd'hui, tout le monde est d'accord. J'étais dans un marché quelque part et j'entendais une femme dire « Mais où allons-nous? Où va notre société? Que nous arrive-t-il ?» Et la dame est en train d'expliquer un fait divers qui s'est déroulé dans son quartier où il y a eu une femme pendant que son mari est allé donc en mer. Donc la femme a été surprise par ses enfants, ses propres enfants, sur le lit conjugal avec le cadet de son mari qui est allé en mer. Donc voilà, c'est un fait divers qu'elle est en train d'expliquer et ça a créé un attroupement et tout le monde est en train de dire « Mais ça c'est rien, mais... » Où va la société? Il y a quelqu'un qui a ramené le problème d'une famille quelque part, je crois, qui aurait mangé de la braise, du sac à sac, et ils sont décédés. Donc, chacun est venu avec son histoire. Et les analyses étaient que notre société était en déclin sur le plan des valeurs, que notre société était en train de souffrir. Alors, moi, là où j'étais, je suis resté un peu tranquille. Et dans mes réflexions, je me suis dit, quand on parle de société, c'est comme si la société était une personne. C'est comme si le frère Mabélé s'appelait société. Ou c'est comme si la société était une maison. C'est comme si la société était un arbre. Alors que la société, c'est ce que nous composons, nous. C'est-à-dire que et vous, et nous, et eux, nous composons cette société. Et je me suis dit,
avoir le nombre de lieux de prière disséminés à travers la ville, à travers le pays, il y a comme une impression que de plus en plus de gens vont dans les lieux de prière, que de plus en plus de gens prient. Alors, si ces gens-là qui viennent de la société pour aller dans les églises, quittent les églises pour revenir dans la société, si cette société subit un déclin sur un plan de valeur, quelle est la responsabilité des chrétiens que nous sommes? Autrement, Madame la journaliste, vous voyez, à 6 heures, aujourd'hui, quand je faisais ma marche, j'ai senti des pas venir derrière moi. Et quand je me retourne, c'est une dame en tenue de l'église qui allait rapidement à l'église. Elle marchait très vite, elle accélérait le pas, certainement parce qu'elle était en retard. Donc ça m'a donné aussi une réflexion. Je me suis dit, voilà, nous attachons quand même une importance quelque part à aller dans les lieux de prière, à être présent dans les lieux de prière. Mais est-ce que nous ne sommes pas ceux-là qui sont là en train de contribuer au déclin des valeurs de la société? Est-ce que le fait que nous ayons découvert Dieu, le fait que nous soyons dans les lieux de prière, est-ce que cela fait de nous des gens qui sont capables d'adopter des comportements bien dans la société? Des gens qui sont capables de redresser des attitudes négatives dans la société? Voilà, c'est là le débat. Quel est le résultat de la prière dans nos vies? Quel est le résultat de la prière dans nos relations? Quel est le résultat de nos prières dans nos rapports avec le prochain? Et la société aujourd'hui, si on parle de plus en plus d'escroquerie, d'adultère, de xénophobie, d'assassinat crapuleux. Madame la journaliste, pendant que nous étions ici, vous avez suivi un appel puisque j'étais en train de discuter avec quelqu'un qui venait de me parler d'un assassinat crapuleux quelque part. Donc aujourd'hui, on peut tuer l'autre plus facilement qu'on ne tue un coq qui est derrière la cour. Aujourd'hui, pour l'argent, on est prêt à sacrifier même un être cher. Aujourd'hui, pour l'argent, on est prêt à adhérer là où on peut même vendre son âme. Est-ce que ceux qui le font, ce sont seulement des gens qui ne prient pas? Est-ce que nous qui prions, nous ne participons pas quelque part aussi au déclin des valeurs de la société? Alors, quel regard portez-vous sur notre société aujourd'hui, Papa Cha? L'exemple que j'ai eu à vous prendre tout à l'heure démontre à suffisance, Madame la journaliste, qu'il y a péril en la demeure. Nous autres, nous pouvons parler parce que l'âge que nous avons aujourd'hui fait que nous avons quand même traversé un certain nombre d'époques. Je regarde, en parenthèse, en prenant un regard un peu en arrière, je vois un peu comment nos parents nous ont élevés. Je vois un peu, je me vois aller à l'école primaire, je me vois arriver à l'école des cadets, qu'on appelle aujourd'hui quelle école militaire préparatoire générale éclair. Je me vois, ce jour d'août, en train d'embarquer sur le vol d'UTA pour aller en France par Nice. Je vois un peu notre arrivée en France et comment nous avons bourlingué pour nous en sortir. Et je vois un peu tout ce qui a été rapport, tout ce qui a été relation, tout ce qui a été réalité, tout ce qui a été comportement pendant ces différentes périodes, je compare à ce que nous avons aujourd'hui dans notre société, je me dis, quelque part, il y a problème. Quelque part, il y a régression de ce qui faisait même la fierté de notre société sur un plan des valeurs, sur un plan de nos coutumes, sur un plan de la fraternité qui est issue de la réalité même de nos civilisations, de cette fraternité qui est l'essence même de ce qui se gère dans les mbongi, dans les villages. Aujourd'hui, quand vous parlez de partage, nous n'avons plus le partage tel que nous le vivions avant. Aujourd'hui, le partage se fait, j'allais dire, pour la plupart du temps, c'est vrai. Il y a encore des gens qui ont gardé un élan sincère dans l'amour du prochain, qui partagent sans intérêt. Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas un intérêt démontré quelque part, le partage ne se fait plus comme il se faisait avant. Madame la journaliste, aujourd'hui, vous avez votre BTS, vous avez fait les stages qu'il faut, vous avez la compétence qu'il faut, vous avez la qualification qu'il faut, mais quand vous allez déposer votre curriculum vitae quelque part, vous allez courir le risque que votre compétence seule
ne puisse pas suffire pour que votre candidature soit retenue. Et si en face de vous, le RH qui traite votre dossier est là en pleine forme ou pas en pleine forme, il va vous demander autre chose qui n'est pas en principe demandé dans le cadre de cette candidature. Et si vous êtes un homme, vous pouvez courir le risque aussi, comme me disait un jeune homme, j'ai un jeune frère qui est venu me voir, qui m'a dit que pour avoir le boulot, il a dû hypothéquer une partie de son salaire pendant un an. C'est-à-dire qu'il a donné 150 000 pour être retenu pour aller quelque part. Et le monsieur lui dit que chaque fois qu'il aura son salaire, il faut lui ramener telle somme. Et ce, pendant 10 ans, sinon, comme le monsieur encore en CDD, c'est-à-dire en contrat à durée déterminée, le contrat ne sera jamais reconduit. Donc, nous avons l'amour qui a déserté nos cœurs. Nous avons la bonté qui a déserté nos âmes. Nous avons la compassion qui a déserté nos habitudes. Madame la journaliste, aujourd'hui la pitié n'existe plus. Aujourd'hui, on peut faire à l'autre ce qu'on évitait de faire avant, ne serait-ce que par pitié. Vous savez, moi, il m'arrive souvent, voyez là, je suis habillé là, c'est vrai, un vieux costume que j'ai, je ne sais pas depuis combien d'années, avec une petite cravate que je venais de mettre, et je sors, je vois quelqu'un déréglé mental, un humain, un autre humain comme moi fou. Il m'arrive des moments où je m'arrête, je me dis, pourquoi lui et pourquoi pas moi? Pourquoi se retrouve-t-il dans cette condition? Et pourquoi moi je suis dans une autre condition? Et à des moments je suis là, je regarde, et le frère Malonga qui me conduit souvent, s'il était là, il pouvait témoigner, chaque fois que je quitte, je fais la route et que j'arrive au marché de Tistère, je fais la même observation à papa Malonga. Je vois des mères de famille qui sont assises à même le trottoir, en train de vendre des fois les feuilles qu'on utilise pour le manioc. Et vous allez voir, ces mamans sont là parfois depuis le matin, et qui vont gagner en termes de bénéfices 1000 francs. Qui vont gagner en termes de bénéfices 1000 francs. Et quand je me vois, moi, que du matin au soir, j'ai dépensé pour rien, pour des futilités, 10 fois plus que ce que cette maman va gagner en restant là souvent dans les intempéries, je me dis pourquoi cette maman mérite ce qu'elle mérite et pourquoi moi je suis dans telle situation. Les gens vont me parler du karma, les gens vont me parler de la volonté de Dieu, les gens vont me parler de ceci, de cela. Mais je dis quand même au fort de moi que ne sachant pas ce qui est caché dans le lendemain, dans le futur, nous ne devons pas nous réjouir quelque part du malheur des autres. Parce qu'il y a eu des destins qui ont connu des carrières fulgurantes. Nous avons des gens qui sont partis de rien. La sœur Valérie Moinou postait d'ailleurs, faisait un post très bien sur Internet où on voit quelqu'un qui part du néant, qui du jour au lendemain arrive quelque part. Ou quelqu'un qui était arrivé quelque part, du jour au lendemain, il recule. Donc oui, madame la journaliste, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre société en termes de valeurs, en termes de vertus, en termes de mœurs, parce que cet amour que nous avions, avant qu'il y ait la multitude des églises, à l'époque, on était même dans une mouvance qui faisait que il n'y avait pas ce genre d'église. Mais on exprimait cette fraternité. Regardez, je fais à pied, parce que la route était mauvaise à l'époque, je fais à pied Kimongo Londelakai. Kimongo Londelakai, l'axe de ma mère. Et en route, à chaque village, les gens laissaient de l'eau, des arachides et des tubercules. C'est-à-dire qu'on laissait, parce qu'on savait qu'il pouvait arriver que quelqu'un, pendant que les gens sont au champ, il pouvait arriver que quelqu'un passe par là. Et les gens qui le faisaient n'étaient pas de l'Ouzolo, ou n'étaient pas des assemblées, ou n'étaient pas de ceci, cela. C'est des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Et qui le faisaient parce que, dans nos traditions, dans nos sociétés, ces valeurs existent. Et ces valeurs, aujourd'hui, malheureusement, n'existent plus. Alors, qu'entendez-vous par déclin de la société? Madame la journaliste, le déclin, décliner, c'est-à-dire que c'est prendre une pente vers le bas. Mais regardez, c'est facile à constater aujourd'hui, madame la journaliste. Je vous disais tantôt que pour l'argent seulement, parce qu'il y a 3 choses aujourd'hui qui sont en train de faire basculer
l'homme, la femme, vers ce qui n'est pas bien. Il y a l'argent, il y a le pouvoir, il y a le sexe. Ces trois entités aujourd'hui sont dans une pratique telle que les enfants que nous avons été il y a quelques années auparavant ne se reconnaissent plus dans la société d'aujourd'hui. Bien sûr, madame la journaliste, tout le monde a besoin d'argent. Bien sûr, tout le monde peut-être a besoin de se faire voir. Mais il y a une méthode où il y a des méthodes beaucoup plus appropriées pour en arriver là. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui fait la magie ne se cache plus. À l'époque, faire la magie ou appartenir à je ne sais quoi, c'était des choses cachées. C'est-à-dire qu'on a même honte qu'on découvre qu'on appartenait à ceci ou cela. Aujourd'hui, c'est un luxe. Aujourd'hui, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil que de dire, voilà, je suis deux. Et, madame la journaliste, sur le plan du partage, je reviens sur le partage, parce que j'estime que on aurait pu casser la courbe croissante de la précarité, de la misère, si et seulement si nous qui croyons en Dieu, nous qui fréquentons les églises, on avait mis en pratique cette notion de partage. Regardez, aujourd'hui même dans les églises, vous avez les gens qui ont beaucoup, qui en ont même trop, qui depuis 10 ans gardent de l'argent dans les comptes bancaires et ne savent pas ce qu'il faut faire parce qu'apparemment, ils ont pratiquement déjà tout. Moi, je connais un ami, il a tellement d'argent que tous les mois, il casse quelque part de sa maison pour refaire. C'est-à-dire que depuis que je le connais, il est tout le temps en travaux. Je me suis dit certainement qu'il ne sait pas ce qu'il faut, il ne sait plus ce qu'il faut faire avec l'argent. Donc il y a des gens qui ont trop, il y a des gens qui ont beaucoup, il y a des gens qui ont suffisamment, il y a des gens qui ont peu, il y a des gens qui ont très peu, et il y a des gens qui n'ont rien. Bon, si on essaie d'établir un équilibre, on revient à l'objectif primaire de l'Église, tel que cela est dit dans Actes des Apôtres, que les apôtres étaient là. Les fidèles, les apôtres amenaient tout ce qu'ils avaient, les mettaient en commun et les distribuaient de sorte qu'à cette époque, il n'y avait ni démunis ni pauvres. Donc ça veut dire que si dans vos églises, il y a des démunis, il y a des pauvres, c'est pas l'église voulue par Jésus. C'est pas l'église voulue par Dieu. C'est valable pour le Zolo, c'est valable pour partout ailleurs parce que la véritable église dont on nous parle dans Actes des Apôtres, c'est cette église où il y avait ni démunis, ni mendiant. Et on peut ajouter aujourd'hui ni escroc. Parce qu'aujourd'hui, des escrocs, moi, il m'arrive qu'on m'appelle. Un ami m'appelle d'un commissariat quelque part. Mais Mick, mais on vient d'attraper quelqu'un de l'Ozolo là, voilà, qui vient de voler, tout. Donc, tu as même la honte de te présenter là. Merci, Papa Charles. Alors, avez-vous quelques exemples de chrétiens impliqués dans certains phénomènes négatifs de notre société? Voilà. La femme dont on parlait au marché là, son mari est allé en mer, elle n'a pas hésité à prendre le petit frère de son mari amené sur le lieu conjugal. Elle le prie. Madame la journaliste, ce n'est pas un secret. Et ce qui est d'ailleurs triste et désolant. Aujourd'hui, faites une comptabilité des méfaits, des actes négatifs dans notre société, vous allez retrouver les chrétiens dedans. Aujourd'hui, prenez 10 ivrognes quelque part, vous allez retrouver 9 qui prient. Parfois peut-être même 7 de l'Ozolo. Puisque dans l'Ozolo, il y a certains qui ont transformé la notion de biramicine, ils deviennent des ivrognes. Aujourd'hui, j'ai rigolé la dernière fois, il y a des jeunes qui sont allés braquer quelque part, on les a attrapés, et parmi les jeunes, il y a un qui va se permettre de se dire « Je suis le petit frère du colonel Mikungi. » Et les gens qui disent « Quoi, le colonel Mikungi? Quel petit frère? Oh non, vous êtes petit frère, comment? Non, je prie avec lui. » Vous êtes un frère, oui, vous priez avec lui, et c'est lui qui vous a demandé de venir faire ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous voyez, j'étais en train de rigoler, il y a quelqu'un qui a fait un post, il a dit, méfions-nous quand nous donnons des noms bibliques à nos enfants, parce que si ces enfants n'ont pas l'éducation et le comportement qu'il faut, nous ferons honte même à ce nom biblique. Regardez aujourd'hui quand vous dites, Abraham a violé une fille. Donc, Abraham, c'est le nom que nous avons donné à un enfant. Abraham a volé une fille. On vous dit, non, Seti a volé le portable de son ami à l'école. Non, aujourd'hui, vous voyez des gens respectables à 6 heures, qui ne manquent pas la cathédrale, qui ne manquent pas la paroisse. Vous voyez des gens respectables, qui le dimanche ne manquent pas le dommage. Vous voyez des gens respectables,
qui ne manquent pas d'aller dans les lieux de prière. Mais madame la journaliste, ce sont les mêmes que vous allez retrouver, une maman qui a une veuve qui a fait des efforts pour acheter une parcelle pour ses enfants, pour qu'elle cesse de louer, qu'elle aille habiter chez elle. Et vous allez trouver quelqu'un qui vient prendre de force cette parcelle ou dans une vente frauduleuse. Et vous allez retrouver que celui qui va prendre la décision pour rendre justice, c'est un chrétien, c'est quelqu'un qui prie. Mais comme il a reçu de l'argent de quelque part, il prendra la décision au profit de la personne qui a tort. Donc laissons une maman veuve qui a en charge des enfants être expropriée de façon malhonnête de son droit. Et vous voyez celui qui prend cette décision, vous le voyez à la cathédrale le matin, hein? Vous le voyez à genoux en train de prier Dieu. Vous savez, madame la journaliste, nous sommes en train de dire Satan, Satan quitte là, Satan. Mais Satan c'est quoi? Satan c'est la haine qui est en nous. Satan c'est l'envie qui est en nous. Satan c'est la jalousie qui est en nous. Satan c'est la colère. Satan c'est l'orgueil. Satan. Donc en nous disant Satan, Satan, nous oublions que nous avons ces Satans là en nous. Quand nous oublions que nous avons ces Satans là en nous, ce que nous faisons ne sert absolument à rien, madame la journaliste. Et je peux multiplier des cas où vous retrouvez des chrétiens qui font du n'importe quoi, des chrétiens qui escroquent les autres. Dans les faits de corruption, vous allez retrouver des gens qui prient. Et je peux vous prendre les établissements hospitaliers où vous arrivez, la personne qui vous reçoit prie, mais va d'abord donner la priorité à quelqu'un qui amène de l'argent, alors que vous amenez un accidenté qui est là, qui saigne. Mais comme vous ne donnez pas l'argent, elle ne va pas s'en occuper. Quoi dire des femmes qui vont dans des blocs d'accouchement et qui se retrouvent avec des femmes qui prient, qui normalement, dans leur élan de prière, dans cet élan d'amour, de l'amour de Dieu, devaient s'empresser de venir en aide à ces moments-là, mais vont d'abord mettre devant l'argent. Et l'argent, pourquoi? Parce que, comme tous les dimanches, il faut changer de tenue. Comme tous les dimanches, il faut faire une toilette. Comme tout. J'ai vu une fille qui passait devant chez moi, qui allait à la prière, qui n'a pas pu avancer avec les chaussures qu'elle avait portées parce que les talons étaient tellement hauts. Et qu'elle était obligée de repartir pour changer les chaussures. Donc, comme il faut aller exposer à l'église la belle tenue, le joli panne et tout, il faut avoir de l'argent. Et donc, voilà, les gens sont là à faire ce qui n'est pas, à faire ce qui n'est pas bien. Donc, on peut multiplier, multiplier, multiplier les exemples, le mensonge et tout ça. Voilà, vous allez retrouver que la fameuse société, on croit au départ que c'est une personne. En fait, la fameuse société, c'est vous et nous. Pour nous permettre de souffler un peu, nous allons retrouver Vianney Bitoukou suivre le micro-trottoir réalisé. Vous bien, dès que c'est un nous connaissons tous les jours à l'église. Il y a des fois, parfois, on a caractère montré à cette roulante, et là, nous ne sommes plus tous les jours. Mais c'est leur comportement qui est affiché en tant que chrétien. Montré à mon nima, moyen de l'an, et qu'il y a des autres jours, bon. Tout le monde est sambilé parce que il y a un dia qui est sambilé, mais c'est leur comportement qui est affiché. Donc, il y a un autre pasteur avant qu'on signe le week. Effectivement, c'est bien de se faire chrétien. Mais que les autres vont passer, ou bien que vont passer, que faux. Elle va passer, elle va m'envoyer. Mais il y a un signe à l'église. Il y a quoi qui peut m'envoyer pasteur, ou bien il y a quoi qui peut comportement pasteur, ou bien il y a un pasteur qui est avec lui. Il y a des côté de gauche à droite, tout afficher le mauvais comportement. Donc, on a demandé, est-ce que devait être dans les églises? Il y a des enseignants qui ont la parole bien ou qui ont enseigné la parole bien. Parce que nous comprenons bien. Il y a des gens qui ont vendu la vente de la vente de la vente de la vente de la prière normale. Mais il y a des gens qui ont vendu la vente de la vente. Bet me kuma na kati ya hypocrisie ngeke zo la pange ngeve surtout pange ke kuenda na pange na kwen se confesser ah muno musala mambi yana yana yai ni yanda tete ke basidiak mambo na bapange oh ngeve tala la sœur entel ku sana ku se lombo le lemvo metal ba mamba nzonza bonge mutu me ku wayao mutya yao olenge bumbi ati tala entel zamsamu ya ngeke zo diavi. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps.
aujourd'hui, les gens se font des chrétiens. Tout le monde dit que je suis chrétien, je suis chrétien. Mais être chrétien dépend de nos comportements. Parce que ce n'est pas en disant que je suis chrétien et tu fais des choses qui sont extraordinaires que tu te dis que tu es chrétien. Donc comporte-toi dans une manière bien. Les gens prétendent se cacher dans les églises en disant que je suis chrétien pour que, sur une apparence humaine, dehors, les gens voient que celui-là va à l'église. Mais apparemment, au fond de lui, ce n'est pas ce qu'il est. Les gens n'ont qu'à cesser de se comporter ainsi. Si tu n'es pas chrétien, force-toi à avoir une paix spirituelle, force-toi à avoir une église qu'on va t'enseigner normalement, que tu dois marcher dans la crainte de Dieu, respecter beaucoup de choses. Ça prouvera un jour que tu es chrétien, les gens vont te le dire dans la rue que ah, celui-là, son comportement est étonnant, c'est vrai qu'il prie. Merci la régie. Revenons droit à notre invité, Papa Charles, par rapport à ce que nous venons de suivre tout à l'heure. Pourquoi l'Église n'arrive pas à imposer sa vision sur la société? L'Église, il faut d'abord se poser la question de savoir est-ce que l'Église est l'Église. C'est juste une partie de la société qui s'est déportée pour se donner une certaine forme d'honorabilité, pour dire nous sommes l'Église. Mais en fait, c'est pas l'Église, c'est la société qui, pour faire perdurer toutes ces actions perverses, c'est la société comme pour faire asseoir cette autorité du diable. La société, d'une façon ou d'une autre, s'est accaparée de l'Église. Et donc, à partir de ce moment, ce n'est plus l'Église. Et comme ce n'est plus l'Église, dans quelles conditions voulez-vous que cette Église puisse imprimer une certaine marque ou puisse imprimer une certaine pression à la société? Allez, en passant, peut-on assimiler la pandémie de Covid-19 à un fléau? Vous savez, beaucoup de gens vont dans ce sens. Mais, madame la journaliste, pour répondre à votre question, il faut simplement se dire que chaque fois que l'humain à plonger dans ce qui n'est pas bien, Dieu a toujours réagi. Parce que Dieu est une créature de l'homme. Tout à l'heure, en venant dans la voiture, je suivais un message audio de Guillaume une fois, c'est quoi beau, qui passait à la RTOPH, à la radio. Vous savez, Dieu est jaloux. Nous ayons créé, malgré cette liberté permissive que Dieu a laissée à chacun de nous, il y a cette jalousie pour laquelle nous avons à respecter cet attachement de Dieu qui ne veut pas que nous allions embrasser d'autres dieux. Quand on parle d'embrasser d'autres dieux, ce ne sont pas seulement des statues ou des statuettes ou des féticheurs, mais d'autres dieux, c'est tous ces comportements négatifs qui créent un frein ou un fossé entre Dieu et nous. Donc, chaque fois que l'homme est allé dans les bas-fonds de ce qu'il ne faut pas faire, Dieu a toujours réagi. Il y a eu le déluge de Noé. Il y a eu Sodome et Gomorre. Quand on a crucifié Jésus, on sait aussi ce qui est arrivé. Donc, nous sommes le même peuple à des époques différentes. Et Dieu est le même Dieu. Alors, il y a des moments où, quand un événement pareil nous arrive, puisque Dieu dit, tout ce qui nous arrive est voulu par lui, soit pour la correction des péchés que nous avons eu à commettre ici sur cette terre, soit pour notre élévation. J'ai tenté de suivre la déclaration de Madame la Présidente de l'Union européenne, la Commission de l'Union européenne, et j'ai été très marqué par ce qu'elle a eu à dire, que on est devant un virus dont la taille n'est même pas perceptible à l'œil de l'homme, à l'œil humain, mais qui est en train de déranger l'humanité tout entière. Il y a des moments comme ça, il faut se rendre à l'évidence que Dieu nous enseigne les limites de nous autres hommes, malgré le fait que nous soyons arrivés à une communication interplanétaire à travers Internet, à un moment où nous avons des navettes spatiales, une station spatiale où les gens peuvent vivre dans l'espace. Et l'homme doit se dire que malgré ses avancées, l'homme reste homme, et que l'homme, s'il n'est pas avec le Créateur qui est Dieu, l'homme ne vaut absolument rien. Alors, nous savons tous que l'histoire de Dieu et de son peuple montre que chaque fois que les hommes de la terre plongent dans la boue des abominations, Dieu se lève toujours pour frapper, par exemple, le déluge de Noé, destruction de Sodome et Gomorre, pour ne citer que cela. Qu'en est-il exactement du sort de nos jours? Voilà, les hommes des cieux sont descendus pour venir faire des abominations à Sodome et à Gomorre. Vous voyez, Sodome tient même d'un mot aujourd'hui que je ne citerai pas, qui constitue une grande abomination, parce que de plus en plus de gens aujourd'hui repartent dans l'homosexualité, repartent, vous savez, c'est quand même effrayant, madame la journaliste, de se rendre compte que dans certains pays, on a légalisé l'homosexualité. Oui.
Je ne suis pas contre les homosexuels. Je ne suis pas, on parle de la liberté, puisque cette émission est suivie dans le monde entier, on nous fera le tort de l'homosexuel. Non, je parle de la Bible, je parle de la conception biblique. Mais les homos sont libres de faire ce qu'ils font. Mais, voyez, il y a même sur le plan de la bestialité, j'ai oublié le nom, hein, c'est-à-dire quand vous allez avec les bêtes, il y a aussi un nom. Il y a un pays qui a légalisé aussi les relations sexuelles entre les hommes et les bêtes. Donc, voyez, je parle de la Bible, j'insiste, je parle de la Bible, je parle pas des libertés individuelles des uns et des autres, ça ne relève pas de ma compétence, je vous parle de ce que la Bible permet et ce que la Bible ne permet pas. Je reste sur ce plan et il faudrait que ça soit compris de tout le monde. Donc, voyez que quand on parle de déclin de la société, madame la journaliste, on parle de ces choses-là qu'on ne pouvait pas faire en tant qu'enfant de Dieu, qu'on ne pouvait pas faire en tant que chrétien. Des choses qui sont défendues par Dieu. Si on le fait par accident, si on le fait par omission, on se répand, on revient vers Dieu. Oui, Dieu dit, ce qu'il adore, c'est un cœur contrit et brisé. Mais si les hommes s'enfoncent là-dedans, font semblant de se repentir ou ne se repentent pas, mais au contraire, multiplient abomination sur abomination. À un moment donné, Dieu peut nous démontrer qu'il n'est pas notre camarade. Dieu peut nous démontrer qu'il est réellement le propriétaire de la parole. Dieu peut aussi nous démontrer qu'il est le créateur. Et c'est pour cela que dans l'histoire des rapports entre l'homme et Dieu, il y a eu des moments où Dieu a frappé. Il y a eu des moments où Dieu a fait disparaître une bonne partie de l'humanité, sauf ceux qui étaient dans l'arche et qui sont venus se repeupler au mont Ararat. Merci. En matière des médias, l'heure c'est l'heure. Vianney Bitoukou nous fait signe qu'il nous reste que quelques minutes pour clore cette émission. Alors, Papa Charles, vous parlez souvent d'une église de prestige, d'une église à spectacle, d'une église compromis et de complaisance. Pouvez-vous être plus explicite? Église de prestige, église spectacle, de compromis, de complaisance, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Madame la journaliste, regardez, il faudrait que, pour que nous soyons une église véritable, je ne juge pas, il faudrait qu'on sente que notre société a changé parce que, sur un plan des statistiques, la majorité de la population prie. La majorité de la population fréquente les lieux de prière. La majorité de la population utilise la Bible. Donc, si cette fréquentation est réelle, on doit constater quoi? On doit constater moins de vols, moins d'escroqueries. C'est-à-dire que on doit constater un changement dans notre société où la précarité même va disparaître, où la misère même va disparaître parce que les chrétiens nantis ne vont pas supporter de voir d'autres chrétiens dans la souffrance, ne vont pas supporter de voir des orphelins qui souffrent, ne vont pas supporter de voir des veuves qui souffrent. Or, si le chrétien, son objectif c'est de payer une belle bagnole et de venir montrer la bagnole à l'église, si l'objectif du chrétien c'est de s'acheter des costumes pour les changer chaque dimanche et démontrer aux fidèles, démontrer au peuple de Dieu qu'on s'habille bien. Si c'est cette église-là, je vous dis, ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Mais quand Dieu va sonner la fin de la récréation, cette récréation va permettre aux gens de se lever parce que Dieu reste Dieu. Et dans l'histoire, que ce soit après le déluge, que ce soit après Sodome et Gomorre, Madame la journaliste, Dieu a toujours démonté sa prière. Église de prestige. Mais c'est tous ces gens qui savent que foncièrement, ils n'appartiennent pas à Dieu. Mais c'est ce que je disais, ils ont besoin d'une honorabilité pour montrer qu'ils appartiennent à Dieu. Ils sont ailleurs, dans d'autres choses. Mais il leur faut cette honorabilité-là. Vous savez qu'il y a même des églises pour lesquelles les dirigeants sont aussi ailleurs. Donc, et les dirigeants et les fidèles savent là où ils sont. C'est une église de prestige. Vous savez, il y a des souffrances dans cette maison, dans beaucoup de maisons, j'allais dire, pour préparer la tenue de dimanche. Si on a porté telle tenue le dimanche passé, donc vous regardez les toilettes que les gens font le dimanche pour aller à l'église. Est-ce que les gens prennent le temps de faire la toilette intérieure, la toilette de leur cœur, au lieu de se préoccuper seulement de la toilette de l'extérieur? Regardez un dirigeant de l'église qui dit, pour qu'on sente que je suis un véritable pasteur ou un véritable je sais pas quoi, il faut que dans 6 mois, que ma Vitara là soit changée en telle voiture. Église de prestige, église spectacle. C'est là où on va acheter les clés, on va acheter je ne sais pas quoi, pour éblouir
pour épater. Et comme ça, les esprits faibles, les esprits dominés sont pris dans le piège. Allez, c'est une église spectacle où les pasteurs attrapent le sexe d'une fidèle pour dire « On va lui enlever le démon de l'adultère, on va lui enlever le démon de la débauche. » Donc, il faut tenir le sous-vêtement d'une sœur. Et l'église où il faut faire manger du... Bon, non, franchement, vous avez des vidéos, si vous rentrez dans le moteur de recherche Google, vous allez retrouver des vidéos où un homme d'église, pour rentrer dans son église, les gens sont obligés de se mettre au dos, et lui, il doit marcher sur le dos des gens. On va vous montrer un homme d'église qui est dans un demi-feu en train de se laver et utiliser cette eau pour... Mais une église spectacle, église de complaisance, c'est une église où on sait que les fidèles arrivent et qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Mais comme c'est eux qui financent, c'est eux qui donnent l'argent à l'église, on ne peut pas aborder les thèmes susceptibles de les faire quitter l'église. On ne peut pas prendre des thèmes dans lesquels on sait qu'eux, ils sont carrément engloués là-dedans, de peur que... Parce qu'après, c'est le monsieur qui finance qui dira « Ah, pasteur, vraiment, votre prédication, votre homélie d'aujourd'hui, ça nous a un peu touchés. Si nous venons à l'église, c'est pour éviter d'être frustrés. Et ce que vous nous avez dit nous a frustrés. » Et voilà que le dirigeant de l'église va faire aussi la volonté de ceux-là. L'église de compromis, oui, l'église de compromis, à partir du moment où nous prenons tout ce qui est de la société et nous amenons au niveau de l'église. Que dire à ceux qui nous suivent en direct ce soir, Pacha? La société n'est pas un homme. La société n'est pas une femme. Il y a une chanson qui passait à l'époque. L'État est Zaliyo. L'État est Zalinga. L'État est Zalibiso et Bongito Bongisa. Il y a une chanson qui passait comme ça. C'est nous. La société, c'est nous. Si nous voulons que la société change, c'est nous. Si nous voulons que la société puisse évoluer vers le positif, c'est nous. Et bien plus, nous qui connaissons la parole de Dieu, nous qui connaissons Dieu, il est temps de prendre le bâton de pèlerin pour aller vers la sauvegarde des valeurs qui font d'une société une société vertueuse. En tout cas, il faut arrêter avec l'église de prestige, avec l'église spectacle, avec l'église de compromis, avec l'église de complaisance. Il faut arrêter avec l'église des apparences. Il faut arrêter avec la prière des apparences. Il faut que l'amour de Dieu revienne dans nos cœurs et que cet amour soit mis en pratique de façon à ce qu'on sente le partage entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, et qu'on sente ce secours que nous allons apporter. Vous savez, Dieu a fait que chacun de nous se retrouve quelque part, on peut aider les autres. Vous avez des chrétiens là, dans différents domaines de la vie, dans différents domaines de la société, ce qui fait qu'un chrétien ne devait pas souffrir. Hélas, comme nous avons mis l'égoïsme, l'orgueil, l'intérêt, l'ambition, l'ego, le moi, voilà là où nous sommes arrivés. Mais Dieu est Dieu, quand Dieu sonne la fin de la récréation, aucun homme sur la terre ne peut aller contre la volonté de Dieu. Grand merci, Papa Charles Mikungilundu, de nous avoir éclairci sur le thème « La responsabilité du chrétien dans le déclin des valeurs de la société ». Auditeurs et téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Portez-vous bien, que le bon Dieu vous bénisse. Comment la Yesu, yamo na oloba, okubi misamongo, distribuité, le comment Yesu, c'est... Oh, Bibi Sambongo, la Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Non, non, dis-moi, Bibi Sambongo. Satan, yo, ça m'a sonné si ma kinsambé. Bibi Sambongo, non, mais t'as dit, morto, morto, Bibi Sambongo, je suis tabaraco.